et à tous, on se retrouve pour la suite de Wildmender. J'étais morte comme une grosse patate, mais Brudaf, lui, ben, n'est pas mort. Et je continue. Ça va très bien. Je continue à la recherche de, à rechercher ma tombe là, de sur laquelle je dois mettre des offrandes. Que Chobiti. Soit elle plante, soit elle se jette des falaises. Oui, du coup je vais essayer d'aller récupérer mon corps. D'ailleurs j'aurais peut-être pu utiliser le portail, vu que je suis pas très loin, je vais peut-être le faire. Ah ben non, parce que j'ai pas restauré de portail de ce côté-là. Bon bah ben non. Puis du coup mon inventaire est tout vide, hein, donc je cours. Je cours avec mes petites pattes. Wow, ceci est un petit bug graphique. J'en viens à plein de busting. Ah, mais c'est qu'il fait jour. Ouais, il fait 7h du matin. Ah, j'ai avancé dans la quête principale. Je suis entré dans les trucs de sable, enfin de sel. Éviter de mourir écrasé d'une tornade contre la falaise. Mais j'aimerais bien récupérer mon corps. En tout cas, récupérer tout ce que j'avais mis dedans. Où es-tu, petit corps? Où es-tu? Tu peux être très loin. Voilà, j'ai trouvé mon corps! Enfin, mon... ce qui reste de mon inventaire, on va dire. Voilà, moi je vais rentrer à la maison. Donc... j'étais ici pour faire activer la source qui est par là, qui doit plus être très loin. Survie dans les salines. Ah bah voilà. Des buissons de brume baie. Ouais, j'ai chopé des graines de sorce bois et des brume baie. Je vais essayer d'en planter un peu. Bon, ben moi j'ai trouvé un souvenir et je l'ai juste un petit peu dans l'os parce que... oh, j'ai trouvé une gousse d'épine. Ça, c'est parfait. Par contre, j'ai pas assez d'essence pour activer... ma source. J'ai laissé des trucs dans mon cadavre encore. Chose que j'ai pas vu. Le buisson, c'est juste une sorte de petit bâton planté au sol. Alors, où est-ce que j'ai mis l'hôte? Là.
Je vais essayer de replanter des fruits de cactus. Voilà, j'en ai replanté deux. Le reste, je vais bouffer. Ah merde, j'ai pas de gland, j'ai pas d'essence. Ah, mais... Je veux des glands, je veux de l'essence, je veux m'occuper de ma source. Des glands, est-ce que j'en ai, moi? Là, non. Je veux bien en trouver, hein. Ouais, un gland, j'en ai trouvé un. Il y en avait un là, sinon. Ah, il y a des gousses d'épines. Ah, mais elles sont pour... Non, celles-là sont pas pourries. Voilà, donc j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour... La quête de la tombe, maintenant, il faut juste que je la trouve, la tombe. Alors... Ah, il me faut un tout petit peu plus d'essence. Allez, remonte l'essence. Évidemment, les autres quêtes, t'as un indicateur sur la carte, mais là, je le trouve pas, cet indicateur. Ah merde. Bon. Où est-ce que tu l'as caché? J'ai pas assez d'essence pour me téléporter. Je jure, j'ai rien caché. Et pivoine, il me manque du bois et un gland pour le réactiver. Ça, je l'ai activé tout à l'heure. Alors, le bois, c'est bon. Un autre gland, c'est cool. Comment ça, déshydratation? Ah bah, il fait jour, hein. Je t'ai déjà dit, cocotte. Quand tu as de l'eau dans ta gourde, tu bois dans la gourde et puis c'est tout. Ah mais il faudrait prendre une initiative, attends, t'es marrante. Oh, c'est trop dur. Ça veut tellement pas remonter vite l'essence. Il m'en faut 5 pour me TP, j'en ai 2. Ah, là je vois une tombe. Est-ce que c'est la bonne? Ah ah. Je pense pas. Non, c'est une stèle d'âme. C'est bien aussi. Ouais, alors je sais pas trop ce que ça a fait.
Bon, c'était pas ça. Avec des petits trucs, c'est toujours intéressant. Et par contre, je confirme, je vais rentrer à pied hein, parce que là ça monte tellement pas vite l'essence. Tombe pas, ma cocotte, tombe pas. C'est quoi le petit curseur jaune qui est à côté de notre base? Je vais rentrer à la base, on va voir ça. Je pense que c'est l'esprit, parce qu'il y en a un autre à côté de la tombe de... Enfin, de la... pas de la tombe, mais de... du temple de la déesse. Ah. Avant poster spectre, ok. Je crois que le jeu me troll. Parce que je suis sur le chemin pour rentrer, je tombe sur un portail, et en fait il faut que je le restaure pour pouvoir rentrer. Donc en fait, j'ai pas de. J'ai pas ce qu'il faut comme essence. Cher jeu. Je vais revenir avec le plein d'essence, je jure. Mais là, il me troll un peu. Ah mais il faut vraiment qu'on cherche cette tombe parce que ça va nous débloquer des points de souvenirs. Ok. C'est les quelle sources, quête Une tombe brisée. Une tombe brisée. Ouais, et le problème c'est qu'en fait on n'a pas de repère sur la carte. Qu'on l'a débloquée en se disant c'est pas grave, on ira la faire plus tard et puis bah... Bah voilà quoi. Il est tellement tourné en rond que je suis incapable de savoir où elle est. Il y a vraiment tout un tas de portails que j'ai pas... Je suis passé à côté en plus tout à l'heure et je les ai pas restaurés. Ouais, mais les portails, c'est pas grave. On les restaurera au fur et à mesure, c'est pas très grave. Oui, mais... Là, je me retrouve à rentrer à pied comme une grosse débile. Si, je crois que je sais où elle est cette tombe. C'est pas celle qui est dans la ville. Dans la ville. Dans le. J'arrive. Dans l'espèce de petite ville qui a. Parfait, parfait, j'ai de l'essence. Rentrer. Euh...
Bah, qui a là plus ou moins où t'es en fait. Bah, je vais bientôt pouvoir voir là. Ah, j'ai faim. Mangeons. Pas là où je pense. Non, je suis pas là où je pense que j'étais. Ah, alors là, j'ai vu une... je vois une tombe droit devant. Est-ce que c'est la bonne? On va pouvoir vérifier ça bientôt. Aucune recette ni action disponible. C'était pas la bonne. Pouic pouic, tagada. Pensez à ça, effectivement, aucune recette ni action disponible. Est-ce qu'on aurait des choses à construire, à faire à... Non, non, c'est juste que c'en est une autre de tombe que c'est pas celle-là, quoi, c'est tout. Oh. Sauf que vu qu'on s'est baladé un peu partout, enfin moi, en tout cas, voilà, du coup, je sais plus où je l'ai trouvé ou si c'est moi qui l'ai trouvé. Et du coup, où je peux la restaurer, quoi. Je vais remettre des gammas, parce que là, il fait un peu sombre. Après, dans les... là, c'était une tombe poussiéreuse. L'autre, c'est une tombe brisée. Donc après, il y a peut-être un moyen de voir la carte sur Internet, par exemple, et de savoir quelle tombe c'est, et du coup, où elle est. Ouais, j'avoue que pas du tout d'indice dans le... Sur la carte, c'est... Bah ouais, alors que les sources, elles sont marquées sur la carte. Mais c'est que je commencerai à avoir faim. Non mais...
J'ai replanté un petit peu de cactus, mais pas les masses. Comme une grosse patate. Comme ça, ça saute sans aucun souci. Alors, elle est où cette tombe? Alors, mangeons, mangeons, mangeons. Ce qui est bien avec les cactus, c'est que ça restaure aussi la soif. Oui. Au moins, j'aurais fait le plein de ressources, hein. Cette tombe. Voilà. Un portail de restauré. Je vais aller à la recherche de fantômes, ça se trouve peut-être que ça me fera tomber sur la tombe en question. Ah, ce serait cool. Hop, moi je restaure une source. Voilà. Manger un morceau, hop. Et je peux rentrer là.
maison. Alors, forcément, en notre absence, les plantes ont un peu soif. Et... ah, il faut un tout petit peu d'essence et je pourrais créer une mer des prairies. Top, top. Top, top, top. Voilà, j'ai chopé un peu d'essence. Et on va créer une mer des prairies. Encore un peu plus. Ah, 30 essences il faut. Non, c'est pas le bon fantôme. Là, il m'emmène dans le sable. Enfin, dans le sel. Alors, j'arrose les amarantes. Dommage. Attaque de spectre. Non, pas d'attaque de spectre, je veux pas. Ouais, pour l'instant, c'est en approche. Ça devrait aller. Yes, des gâteaux. Mince, mon sac est plein. Ah bah, au moins on sait, il y a une limite. Ah bah, il y a un nombre d'emplacements, donc oui, il y avait oui. Une limite. Alors... mon sac est plein alors que je m'en fous. T'es où? Où es-tu, vilain petit méchant? Tu as fui, je t'ai vu. Oh, et j'ai renversé mon eau par terre alors que j'ai plus d'eau. Oh non. Ah bah, je vais sûrement crever ici. Hein. Oh non. Rêve pas ici. On va essayer de manger ça pour me remettre un peu de flotte. Ça va pas durer bien longtemps. Est-ce que j'ai quelque chose qui me remonte la flotte quand je le bouffe? Ça. Je ne pouvais plus en manger. D'accord. Tu veux plus manger? Tu ne peux plus en manger. Je vais essayer de rentrer. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire, moi d'ailleurs, un peu à utiliser, déposer. Yasumar. J'ai une graine d'amarante ancienne. Alors... Ah, le fait de planter mon amarante ancienne, ça... a débloqué un truc. Youpi. On a presque plus d'eau là dans la source principale.
Ah oui, mais tu t'étais peut-être déjà servi avant. Bac à compost. Je vais aller rechercher mon équipement. Non, je voulais pas que tu grimpes au rocher. Non, mais respecte-toi. Comment ça j'ai faim? Comment ça j'ai faim? Quelle est cette hérésie? D'où j'ai faim? Faut faire quoi pour la... Ah oui, une étincelle de vie, ça va être un peu compliqué. C'est le petit bestiau qui te permet de les faire. Ah, par contre, on peut élargir la source. Allons-y. Ben oui. Voilà, comme ça, on aura une plus belle source, plus belle, plus forte. Bon, par contre, il me fallait 30 essences pour mon truc et il n'y en est toujours pas. Voilà, j'ai réussi à récupérer mon équipement. Alors, il est possible, ouais, qu'on perde quelques parties de l'équipement quand on meurt. Ouais, c'est pas impossible. Ça paraîtrait un peu légit. Ah non, ou alors ils ont roulé un peu sur la porte, voilà. Maintenant, faut que je revienne, que je me mette à l'abri. Alors, je mets un petit peu de truc dans le compost. Voilà. Je vais peut-être ranger 2-3 trucs. Et assécher la source sale. Pour arroser les cactus qui se trouvent à côté. Ah, c'est intéressant.
Ah, mais attends. Du coup. Ah oui, mais non, le. Le fantôme, j'avais dit qu'il était dans le truc de sel. Parfait. Alors, la pierre de symbole, typiquement, ça permet de faire ça. Ok. Il manquerait un petit peu de grès, mais on doit en avoir dans les paniers. Oh oui. Je ne l'ai pas. Alors j'arrive, j'en mets juste ça. Hop. Et voilà. Alors ensuite, ici. OK. Ça, j'ai faim. Qui a osé encore ne pas me nourrir? Ah, tu prends pas mes cactus. Déjà, ils ont pas fini de pousser. Puis il faut que j'en replante après avec ça. Est-ce que je peux planter des trucs, moi? À part des fleurs, hein? Oui, d'ailleurs, tu voulais une aiguepine, t'en as trouvé une ou... Ouais, j'en ai. Puis de toute façon, pour le moment, ça sert à rien tant que j'ai pas la tombe. Ah oui. Oui. Effectivement. J'avais replanté des puces de cactus, là j'en ai trouvé que les deux de départ, mais. Où sont les autres que j'avais plantées? Alors... C'est ce BK qui me les a détruits. Ah oui! Oh! Elle est belle ma prairie! Waouh! Ouais, et puis la zone cultivable, c'est vachement agrandi du coup. Ah ouais! Oh bah oui! On va en faire ailleurs! Non, 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 non. Non! Pas pour le moment. Je peux pas faire Sinon, d'autres prairies. Quelle hérésie! tu vas encore nous bouffer toute l'eau après. Mais non, j'ai agrandi la source! Ouais,
Mais si tu agrandis à nouveau les plantes qui tournent autour de la source, ce sera de nouveau le même souci. Oui. D'ailleurs, est-ce que j'ai des choses à manger? Oui, j'ai des choses à manger. Donc, vous avez faim? Mais oui, je sais que j'ai faim. C'est ce que je Là, suis en train de c'est regarder. quand on ramasse les plantes de bouffe, là, les cactus, ce qui est bien, c'est d'aller de replanter au moins un sur ceux qu'on a ramassés, histoire de pouvoir avoir petit à petit de plus en plus de sources de nourriture à la maison. De plus en plus de cactus. Ben oui. Moi, je plante des amarantes, mais il me semblait qu'il y avait une quête qui disait de planter Oui. un carré de 6, et ce qu'il a été validé, j'ai pas fait gaffe. Oh, si, il a C'est dû être pas un validé. carré de 6, c'est faut planter 6 amarantes dans les carrés. Et normalement, bah voilà, tu as planté en plein milieu. Si tu les plantes sur les côtés, tu peux en planter 4 par carré. Et t'as qu'un seul carré là? Comment ça se Oui, fait j'ai qu'un que seul... le. Oui, j'ai qu'un seul carré, justement, c'est pour ça que je voulais regarder Ah la... donc la quête n'a pas été validée alors. Non, justement, je la cherche. Il faut replanter d'autres. Faut faire d'autres bacs. Alors attends. Ouais, sauf que je la vois pas, la quête. Je suis sûr de l'avoir vue, mais... Bah tant pis. Écoute... Je ne saurais point dire. Mais si, on va te la faire en vitesse. Déjà les bacs, on peut les mettre sur une zone qui n'est pas fertile. Oui. Oui, on peut carrément enlever ce que j'ai fait. Ouf. Bah. Je peux la déplanter ou que pouic? Que pouic, hein. Ah, il me faut de l'engrais pour les fabriquer. Ouais, mais attends, voilà. Hop! Je t'en rends une. Et je peux la déplacer normalement. Déconstruction. Déconstruction, ça va me rendre les matériaux. On dirait que oui. Tu voulais le mettre par là? Bah ouais. Il arrive. Ah, il m'a pas rendu autant que ce que... Ok, déconstruire, c'est vraiment pas une bonne idée. Enfin... Voilà, t'as trois bacs là. Donc... On peut faire des jardinières enrichies, des jardinières en bois. Ouais, pof. Alors, pourquoi ça m'a pas planté mon truc? Ah, attends. Peut-être que quand on la met là, du coup. Ah oui, ça touche avec l'autre. Voilà. Ah, il y a une... Ça va, j'ai pu. Non, ça me l'a pas planté là. J'ai un bug. Là, c'est bon, ça me l'a planté. On arrose.
Bon, par contre, ça nous a pas validé la quête. Bah ouais, mais je la retrouvais plus dans le journal de quête. Je suis sûr de l'avoir vu, mais je la retrouvais plus dans le journal de quête. Donc, Et pourtant, on l'a pas fait, donc. Écoute, c'est pas hyper grave, hein. Au moins, nos amarantes, elles seront là. Alors. Bah écoute, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est se quitter là. Bah oui, tout à fait, oui. Tiens, on a deux trucs de tombe à faire. Ah. La tombe usée et la tombe brisée. Mais on sait pas où elles sont. Enfin. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Chobiti pour voir ce qu'elle fait de son côté. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager les vidéos, ça aide toujours au référencement. Et puis bah, nous, on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye. Merci beaucoup, Brodaf, pour cette session. Bye bye tout le monde.